situé à 100 km de la ville de Déa, par Lokondje, le village Nkolo, dans le département de l'Océan, est la preuve vivante de la promiscuité avancée. Sa population, estimée par milliers, est constituée des autochtones et des pygmées qui constituent à 30% une minorité. Dans ce village où l'énergie électrique, l'eau et même les réseaux de téléphonie mobile brillent par leur absence, il convient de rappeler qu'il existe quelques infrastructures mises à la disposition des habitants de ce petit village. Nkolo est un village essentiellement agricole. Comme tous les villages, il y a des hauts et des bas, néanmoins, les difficultés sont diverses. Il est donc clair que l'État du Cameroun gagnerait à inclure cette partie du pays dans sa politique de développement durable en vue de sortir le village Nkolo de l'enclavement dans lequel il se trouve.